m'appelle Bérénice, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis perceuse et modèle photo depuis septembre à peu près. Alors, mon rapport au tatouage, c'est ma vision de la vie. Enfin, je sais pas, je saurais pas expliquer. Je vis pour ça, mais depuis toute petite, ça m'intéresse. J'ai été quelqu'un de très complexé toute ma vie. J'en ai même été malade. Au début, c'était une manière en fait de m'accepter, de cacher mon corps par quelque chose de joli, enfin que je trouve joli en tout cas. Du coup, ça me donne envie d'entretenir mon corps, d'arrêter de la mutilation aussi, de m'accepter tout simplement en fait. Mon premier tatouage, ça a été à mes 16 ans. C'est ma maman qui me l'a payé, elle s'en est mordu les doigts pendant des années. Et c'était donc, c'est une salamandre en maori qui, donc tout le temps, les gens ils me disent que voilà, c'était le cliché. À chaque fois, les photographes, quand ils voient la salamandre, ils me disent « ça se voit, c'est ton premier tatouage ». Mais en soi, la salamandre est très jolie. Et pour moi, elle a une signification, comme tous mes tatouages au final. Une fois, avec mon papy, qui est décédé il y a 2 ans, on est allé se promener donc en Bretagne, parce que je viens de Bretagne. Et là, j'ai vu une salamandre. Je l'ai trouvée trop jolie et j'ai voulu la toucher. Et comment mon papy m'a fait tout un topo, m'a expliqué qu'il ne fallait pas toucher les salamandres parce qu'elles dégageaient un gaz ou quelque chose de toxique. Et donc voilà, ça a été le premier tatouage avec la signification, et pour rien au monde, je le recouvrirai celui-là. Celle-ci, qui raconte beaucoup de choses sur moi et qui est reliée à mon pouce. C'est un tatouage qui a été fait par David Morrison, et c'est un cœur anatomique en fait qui est arraché par une main de squelette. Et ce que j'ai sur le pouce, c'est donc le signe chimique du potassium. Parce que j'ai eu dans ma vie de gros problèmes au niveau de l'anorexie. Je m'en suis sortie aujourd'hui. Le potassium, c'est ce qui maintient le cœur en vie. Je l'ai vu dans un rêve, ce tatouage en fait. Clairement, quand on est en carence de potassium, on a l'impression qu'on perd le cœur. Donc on a l'impression qu'on nous l'arrache. Et puis comme c'est une main de squelette, voilà, c'est par rapport aussi à la maladie. Chaque tatouage représente vraiment une partie de moi, une partie de ma vie. C'est un moyen de m'exprimer aussi, parce que je suis quelqu'un de très timide. Je suis quelqu'un de très réservé, mais aussi de très expansif. Alors, ce que j'aime quand je me fais tatouer, c'est l'échange avec le tatoueur. C'est pour ça que je me dis comme un peu une vieille fille du tatouage, parce que je reste en fait sur 3 tatoueurs maintenant. Donc il y a Roberto Dardini, David Morrison et Patrick, El Patman de Art Corpus. Et c'est trois personnes que j'admire, que j'adore. Et on a vraiment une relation presque fusionnelle en fait. Enfin, je m'endors clairement pendant les séances parfois. Je suis vraiment pas quelqu'un de douillette. Du coup, j'en profite pour faire de longues séances. Parce qu'avec Roberto, ça peut faire du 10h-20h parfois. Donc, je m'endors, je me réveille, je discute ou pas. Mais un truc que je déteste faire, c'est mettre la musique. Parce que justement, j'aime trop échanger, j'aime trop, je suis une grosse pipette. J'ai toujours écouté de tout, dont du métal. Avenged Sevenfold, que j'adore, que j'ai été voir en concert d'ailleurs. Five Finger aussi, j'aime bien. Et après, j'adore les voix cristallines. Donc Nightwish, Within Temptation. On ne peut pas dissocier le métal des shops. C'est dans chaque shop, il y a toujours au moins une heure dans la journée où il y a du métal qui passe, quoi. Mais après, pas,
pas plus que ça au niveau du tatouage, parce que c'est, pour moi, le tatouage, c'est vraiment bien plus profond que ça, quoi. C'est pas, je l'associe pas forcément avec de la musique ou quoi que ce soit. Là, c'est la grande mode en ce moment, c'est les doigts. Comme je dis, pour rigoler, souvent c'est un petit peu quand on attaque les mains, c'est suicide social. Et il faut savoir l'assumer aussi. C'est pas simple d'assumer les tatouages. Le regard extérieur change en fait à partir du moment où on devient une personne tatouée. Ne pas faire non plus les effets de mode. Il faut qu'il y ait quand même une signification, même si dans le temps, l'esthétique prend le dessus sur la signification. Ça c'est sûr et certain. Sinon, c'est pas. On s'en lasse trop vite. Au final, même. Que dire à ces fameuses personnes qui demandent pourquoi tu t'es fait tatouer ça? Quand on pose la question, est-ce que les côtes ça fait mal? Est-ce que machin ça fait mal? Est-ce que si je te dis que le front c'est l'endroit le moins douloureux, est-ce que comment tu te feras tatouer le front? Bah non. Donc faut vraiment pas hésiter. C'est vrai que j'ai beaucoup de styles différents de tatouage. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de. Enfin, je n'aime pas me cantonner un style spécifique et j'aime bien la diversité, donc autant en profiter. Merci Metal Impact. Je me verrai plus en tatouage. Quand je me vois, mes bras par exemple, nus au final, j'aime pas.